Frères et sœurs, bonjour. Nous allons regarder donc aujourd'hui Lamentation de Jérémie, chapitre 2. Hier, on a regardé chapitre 1. Dieu est le juge, mais aussi c'est le seul consolateur. Donc, chute d'Israël, il n'y a personne qui est seul. Il va donc implorer à Dieu. C'est le jour de colère de Dieu. Il est vraiment désespéré. Il ne peut pas donc recevoir la consolation. C'est cette image avec une veuve que tout est mort, qu'il n'y a plus rien. Jérusalem, c'est ainsi. Il n'y a personne pour le consoler. Et il n'y a aussi personne qui accepte. Donc, c'est pour ça que je donne comme titre, il n'y a que Dieu qui va consoler. Est-ce que Dieu veut vraiment donc consoler? Donc Dieu ne peut pas aussi consoler. Aujourd'hui, on est au chapitre 2. Je vais les donner comme titre pour ce chapitre 2. Mon Dieu, regarde. Au jour de ta colère, tu as tué sans pitié tes serviteurs et ton peuple. Donc, au jour de ta colère, tu as tué sans pitié tes serviteurs et ton peuple. Mon Dieu, regarde, au jour de ta colère, tu es en colère. Tu as tué donc ton peuple que tu as fait alliance et tes serviteurs. Donc sans pitié. Donc, c'est ce titre, c'est la conclusion de. C'est donc ce qu'on dit de Dieu. Par rapport donc. Les gens qui sont donc dans la pénibilité, qui sont en désespoir. C'est donc une manière de s'exprimer les sentiments. En fait, tu nous laisses dire ainsi. Donc c'est. C'est ce qui est donc, c'est quelque chose qui vient du donc beaucoup de on peut pas comprendre de colère, de incompréhension, désespoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le COVID-19. Il y a une famille qui était donc infectée. Il va donc directement être en quarantaine. Si il ne peut pas donc visiter, il va mort. Alors, il ne va pas voir. Dernière fois. Une fois qu'on est donc en quarantaine, c'est une séparation définitive. C'est vraiment pénible. Ce n'est pas seulement une seule famille, mais c'est beaucoup, beaucoup de familles ainsi. Ce n'est pas un seul, une nation. Beaucoup, beaucoup de nations sont ainsi.
Je n'ose même plus regarder donc les chiffres des infections et les morts d'essai. Au début, on regarde les chiffres, je n'arrête pas de pleurer. C'était très difficile comme sentiment. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est normal, on est habitué à ça. On dirait que les larmes sont déjà séchées. Il faut rendre grâce dans l'église, les gens que dans l'église, toutes les églises, tout le monde est dans la paix. Les quelques cas d'infection ont été tous guéris dans les églises filiales. En regardant donc toute la terre, beaucoup de pays, c'est vraiment pénible à voir. Et je ne peux pas comprendre. Par rapport aux gens qui sont contre les mesures sanitaires, je ne peux pas comprendre. Pourquoi est-ce ainsi? Je ne peux pas comprendre. Bien sûr, l'homme a son propre choix, ses pensées. Ils ont peut-être des choses qui attachent de l'importance. Car les mesures sanitaires, ça attaque l'économie et empêche les gens pour le plaisir. Mais à cause de l'économie et le plaisir, est-ce qu'on peut donc sacrifier des vies? Là, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est comme monde aujourd'hui? Je ne peux pas comprendre non plus. Dans ce de pénibilité, dans le peuple des ténèbres, dans cette position, il peut regarder. Dans cette pénibilité, il peut regarder les choses, il ne peut pas comprendre Dieu, il peut comprendre ce monde. Ils sont donc vraiment dans la pénibilité. Tristesse. C'est sentiment, c'est le sentiment des gens qui la chute de Jérusalem. Et aussi le sentiment des Juifs qui ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été rentrés dans le champ à gaz. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Dieu, où es-tu? Tu dis que j'ai péché, je vais mourir. Mais est-ce que c'est vraiment sans pitié? Pourquoi es-tu donc si tu vas aussi loin? En allant dans le champ à gaz, c'est ce que les Juifs pensaient. Pourquoi tu nous as remis à la limite jusqu'à un tel point? Nous avons vraiment, donc, le pécheur, nous le reconnaissons. Mais est-ce que Dieu, toi, tu es allé jusqu'à un tel point? Lamentation de Jérémie est en train de résoudre ses problèmes. Il aide aussi à l'homme de toucher donc le point le plus pénible, le sentiment le plus extrême. Il a donc écrit donc cette lamentation. Il a donc cinq lamentations. Il utilise tous les alphabets hébraïques
pour démarrer donc l'été. Les lamentations 1, 2, 4, 5, ça commence par l'alphabet premier, 22 pour commencer. Et le chapitre 3, il y a 66 versets. À chaque trois versets, il commence par un alphabet. Et donc, au total, il y a 66 versets au chapitre 3. Donc, dans tous les livres de Lamentations de Jérémie, à chaque alphabet, ça commence, au total il y en a sept fois. Qu'est-ce que ça commence à? Est-ce que c'est lamentation de l'homme? Est-ce la lamentation de Jérusalem? C'est ton lamentation, mon lamentation? Oui, c'est aussi. Oui, c'est mais aussi la lamentation de Dieu. Lorsque l'homme demande à Dieu, lorsque nous avons le chapitre 2, il n'y a pas de réponse. Où sont les réponses? Je pense à tous les livres de l'alimentation suivant son système. En fait, Dieu nous a donné la réponse. Dieu dit, c'est ton lamentation. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi mon lamentation. Chaque alphabet commence à débuter cette fois. Dieu dit, ceci était mon lamentation. Est-ce que c'est ce que je veux que vous soyez ainsi? Je ne veux pas. Pourquoi est-ce ainsi? Ce n'est certainement pas moi qui le veux ainsi. Bien sûr, c'est le problème de l'homme. Mais l'homme ne peut pas le voir. Aujourd'hui, on marche jusqu'à aujourd'hui. Jérusalem arrive jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un an, deux ans, cent ans. Mais c'est depuis jusqu'à sortie du désert, jusqu'à maintenant, c'était ainsi. C'est l'histoire de mille ans. Quand il est sorti du désert, c'était 1450. Jusqu'à David, c'est plus ou moins 1000 ans avant Jésus-Christ. Jusque donc, l'alimentation, c'est 587. Donc, c'est près de 1000 ans. Dieu l'a guidé. Jusqu'à maintenant. Pour nous aujourd'hui, donc, nous regardons la notion de Jérémie, on peut exprimer notre colère, notre sentiment. Autrement, nous devons mieux connaître Dieu. Donc, vraiment connaître Dieu.
même tant que dans le ténèbre connaître Dieu. Nous allons rentrer dans les versets suivant. Donc la version chinoise, je vais diviser le chapitre 2. J'ai divisé en trois parties ce chapitre 2. Première partie 1, verset 1 à 10. Donc les misères, il ne laisse pas sans. Donc Jérusalem. Comment, à cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la fierté d'Israël. Il ne s'est pas soutenu de son marchepied le jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les domaines de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Juda. Il les a précipitées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Versets 1 à 5. L'Éternel, il a donc détruit, abattu Jérusalem sans pitié. Il n'a pas donné de compassion, il n'a pas fait attention, il a fait ça sans pitié. Il a donc Jacob et Judas, il a donc démêlé. Il les a engloutis. Donc il a précipité tout ça par terre, il n'est pas revenu. Il avait dit que Jérusalem était en marchepied. C'était donc sa demeure. Maintenant, il a précipité du ciel sur la terre la fierté d'Israël. C'était le jour de sa colère. Il a donc démoli Juda et ses chefs, le royaume. Il les a profanés. Dans sa colère, tardant en colère, il a abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa main droite en présence de l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un feu d'ongle, les flammes dévorent tout ce qui l'entoure. Verset 1 à 5. Et l'Éternel est l'ennemi de Juda, de Israël. Et cet ennemi, il a fait ça sans pitié. Au verset 3, il a parlé de ça. Donc, il a donc sa main, la main droite, il ne protège plus. Pas seulement, il a allumé en Jacob comme un feu. Et un feu dont la flamme dévore tout ce qui l'entoure. Il a donc toutes les tentes de Jacob. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa main droite s'est dressée comme celle qu'un assaillant. Il a fait disparaître tout ce qui plaise au regard. Il a déversé sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Donc dans Sion, dans la tente, il a fait verser sa colère comme un feu. Le Seigneur est comme un ennemi, il a englouti Israël, il a englouti tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Donc l'Éternel était donc l'ennemi de Juda. Il a envie donc il a mis le feu sur cette tente.
Il a fait disparaître tout ce qui pesait. Il a fait découvrir tout ce qui est dans son palais, tout comme un ennemi. Il a détruit sur terre. Il a parti verser 6 à 7. Il est passé en force comme on force la clôture d'un jardin. Il a détruit son lieu de rencontre. L'Éternel a fait oublier dans Sion les fêtes et les sabbats. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le prêtre. Le Seigneur a poussé son autel, détesté son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Des cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme un jour de fête. L'Éternel t'aura détruit son propre sanctuaire. Le premier 5 versets, il a détruit donc Judas et Israël. Sans pitié, c'est comme un ennemi. Ici, il a donc détruit son propre sanctuaire. Il ne veut plus que les gens se réunissent. Il ne veut plus qu'il y ait de l'orange. Au verset 8, l'Éternel avait projeté de détruire les murs de la fille de Sion. Il a étendu le ruban à mesurer. Il n'a pas retiré sa main pour empêcher de tout engloutir. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles. Ensemble, ils dépérissent. Ses portes se sont enfoncées dans la terre. Il a démuni et brisé ses verrous. Son roi et ses chefs sont dispersés par les nations. Il n'y a plus de loi. Même ses prophètes ne reçoivent plus aucune vision de l'Éternel. Donc il a donc détruit les murs, les murailles. Il a détruit donc son sanctuaire. Il a donc détruit les remparts et les murailles. Donc verset 8, il a détruit donc les murailles et les remparts. Il ne veut plus que il n'y a plus de temps. Les rois, son roi, les chefs sont dispersés parmi les nations. Et non seulement il veut perdre l'orange dans son sanctuaire, mais aussi il a détruit donc les remparts et les murets. Et son roi et ses chefs sont dispersés parmi les nations. Même ses prophètes n'ont plus aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre et restés ensuite. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont habillés de sacs. Les jeunes filles de Jérusalem baissent la tête vers la terre. Verset 10. Donc, Jérusalem est assis par terre. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu. Regardez dans cette diversité. Dieu est comme un ennemi. Il détruit donc Jérusalem et sans pitié. C'est comme un ennemi.
attaqué pour les brûler. Toute la ville a été brûlée. La santé a été détruite. Il n'y avait plus de rassemblement. Les remparts, les maisons sont détruits. Ils ne veulent plus les protéger. Ils veulent les mettre dispersés parmi les nations. Il veut que la tête baisse sa tête. Il ne veut plus parler à Jérusalem. Il ne donne plus de vision. Il ne parle plus avec eux. Supposons que ici est Jérusalem. Là, la main de Dieu est au cœur des attaqués et le feu est descendu. Ici, c'est son Jérusalem. C'est son marchepied. C'est son largement, c'est son sanctuaire. Ses prophètes, son roi et ses chefs. Tout a été détruit. Et Dieu s'en est écarté, s'est éloigné. Et Jérusalem était donc. Il n'y a plus aucune parole. C'est comme si Dieu n'avait plus aucune relation avec eux. Même s'il y a une relation. C'est avec donc les arcs. Pour donc le détruire complètement. La relation avec notre Dieu et Judas, c'est une relation d'ennemi. Et ça, c'est sans pitié. Pourquoi la relation sont arrivées à un tel point? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais en réalité, c'est arrivé à un tel point. Aujourd'hui, ce monde était fait par Dieu, créé par Dieu. Dieu a créé, donc, créé le ciel et la terre. Et ce monde est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce monde est en désordre. Les hommes sont arrivés à tel point. Le climat est arrivé à tel point. Les nations sont ainsi. L'économie aussi. La santé aussi. Le pandémie était si grave. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, la saison de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut être l'ennemi de ce monde? Dieu veut être jugé de ce monde. Il y a beaucoup de morts de la pandémie. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Nous sommes donc faire face à tous ces problèmes. Face à tous ces problèmes, le psalmiste, il dit, est-ce que tu sens mon sentiment? Nous sommes assis à pleurer, et toi, tu ne dis rien. Tu remets ta main pour nous attaquer. Pourquoi est-ce ça ainsi? Mais en réalité, c'est ainsi. La situation de Jérusalem est arrivée à tel point. Nous allons maintenant regarder la deuxième partie, versets 11 à 19. Les enfants sont morts dans la place de la vie. Des enfants sont morts sur la rue. C'est l'auteur qui dit à Jérusalem, mais aussi à nous. Tes enfants sont tombés en déférence dans la rue. Ils morts dans la COVID. Lève-toi pour prier. Implorer.
crié à l'Éternel. C'est le verset 11 à 19. Mes yeux s'épuisent dans les larmes. Je suis profondément tourmenté. Ma bile ne se déverse par terre. À cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons tombés en défaillance sur la place de la ville. Ils disent à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Tant qu'ils tombent en déférence comme des blessés dans la rue de la ville, qu'ils rendent la main sur la poitrine de leur mère. C'est l'auteur de Lamentation de Jérémie. Ça doit être normalement Jérémie. Mais c'est la mention à tête donc rectifiée. Et à tête donc retenue dans la Bible. Il dit, mais je s'épuise dans les larmes. Il dit, je suis tellement tourmenté que je ne vois plus. Et ma bile se déverse par terre. J'ai tellement mal que je suis prêt de mourir. Je ne vais pas regarder la situation de Jérusalem. Donc tout le peuple est trouvé des enfants et des nourrissons tombés en déférence sur la place de la ville. Ils tombaient en déférence comme des blessés dans la rue de la ville, qu'ils rendent l'âme sur la poitrine de leur mère. Et le prophète dit, donc la situation de Jérusalem, l'année 587 avant Jésus-Christ. Donc, l'an 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem était donc attaqué par Babylone. Il a donc fui de la ville, tout est détruit. Ils ont détruit toute la ville. Ils ont détruit donc le temple, les murailles, les remparts, toutes les maisons. Tout était tombé par terre. Ce qui est parti comme une partie. C'est ce qui est passé dans l'histoire, ce n'est pas une comparaison. C'est Babylone, Nebuchadnezzar, qui a fait tout ceci. Mais l'auteur a vu que c'était Dieu qui a fait. Dieu, à ce moment-là, il a fait sa main droite pour ne plus protéger. Les arcs de c'est comme l'épée de Dieu. Le feu envoyé par Babylone, c'est comme si c'est le feu envoyé par Dieu. Donc Babylone a tué donc les Juifs. L'écriture, il voit ça comme c'est Dieu qui l'a fait. Il voit tout ce qui s'est passé. Il voit donc la situation de Jérusalem. Il a pleuré. Donc, c'est à pleurer tellement ses yeux s'épuisent dans les larmes. Il est profondément tourmenté. Sa bile déversée par terre. Il ne veut plus regarder. Donc, Jérusalem est comme donc. C'était un enfant qui tombe en déveillance, prêt à mourir, comme s'il rendait l'âme sur la poitrine de la mère. Il dit à la mère, « Oui, il y a du blé et du vin, j'ai soif, je suis peiné, je souffre, je vais bientôt mourir. Est-ce que tu peux me donner un peu de vin pour que j'ai moins de souffrance ?»
pour que je sois un peu paralysé. Que ce soit ton cœur ivre pour mourir, je ne peux plus supporter. L'auteur dit, je n'en peux plus, je ne peux plus garder. C'est tellement pénible. Il n'y a pas de solution. Comment est-ce que ce Dieu, qu'est-ce que c'est comme Dieu? Pourquoi est-ce que je me tasse? Quand je regarde ceci, je vois. Donc, Seigneur Jésus, il est prêt de mourir. Sa mère le voyait, donc elle devait monter sur la croix. C'était ainsi. C'était donc lamentation de l'homme. C'est une lamentation de Dieu. Dieu, que Jésus a expérimenté tout ceci. C'est aussi ce que Dieu a aussi expérimenté. Verset 3. Que toi je te dis, à quoi te comparer, fille de Jérusalem? Quel exemple te donner pour te consoler, vierge, fille de Sion? En effet, ton désert est aussi grand que la mer. Qui pourra te guérir? Donc la blessure de Jérusalem est tellement grande qu'on ne peut plus guérir. Donc, il ne peut pas te comparer à ces blessures. C'est le plus grand blessure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir. Pourquoi Jérusalem est arrivé à tel point? La blessure est restée propre. Impossible de guérir. Je vais donc demander à Dieu. Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi la blessure était aussi grande? Pourquoi en Hong Kong il y a tant de personnes qui veulent immigrer? Dieu, pourquoi les églises ont autant de difficultés? Beaucoup d'églises n'ont plus d'évangélistes. Beaucoup de frères et sœurs sont perdus. Dans toute la cité, a perdu beaucoup de gens importants, précieux. Pourquoi est-ce ainsi? Aujourd'hui, tout le monde est ainsi. Vraiment, on ne peut pas comprendre. Le problème d'aujourd'hui, on dirait qu'on ne peut pas résoudre. Aujourd'hui, Hong Kong, comparé à Jérusalem, il y a une grande différence. La blessure de Jérusalem est tellement grande qu'on ne peut pas en guérir. Aujourd'hui, à Hong Kong, je sens que Dieu est encore là. Mais nous voulons que Hong Kong puisse arriver à tel point. Donc les gens qui sont donc frères et sœurs qui sont en ligne, nous devons donc espérer protéger donc notre ville,
pour ne pas rêver que je juste comme Jérusalem. Mais Jérusalem, tu as expérimenté tout ceci. L'auteur ne peut plus regarder. Il sait qu'il n'y a pas de solution pour guérir. Versets 14 à 16. Tes prophètes ont eu pour toi des visions sans valeur ni saveur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute afin de changer ton sort. Ils t'ont communiqué des messages mensongers et trompeuses. Les prophètes sont en fait ce sont des faux prophètes. Donc dans Jérusalem, beaucoup de prophètes sont des faux prophètes. Ils n'ont pas de vision. Jérusalem ne peut voir ses propres péchés. Tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Il veut que ton cœur soit ainsi. Tous les passants applaudissent en te voyant. Ils sifflent, ils secouent leur tête au sujet de la ville de Jérusalem. Est-ce bien la ville qu'on présentait comme une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tout ennemi ouvre la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent les dents. Ils disent, nous avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. Jérusalem n'a pas de vrai ami. Il n'y a que des ennemis. Tous ses amis sont, en fait, sont des faux. Mais en fait, l'ennemi est vraiment terrible. Donc Jérusalem était paralysé. Il a remis en main de l'ennemi. Ici, c'est pour nous rappeler. Nous ne devons pas être paralysés et pour être remis en main de l'ennemi. Que Dieu nous ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de tout le monde. Qui veut voir la vérité, voir Dieu, voir donc les propres péchés, voir le problème de soi. Ces soi-disant amis, ils peuvent voir les vrais problèmes. Tu mets tous les problèmes et remettre les problèmes aux autres. Ils pensent que soi-même n'a pas de problème, mais on est donc. On est donc paralysé. Nous sommes donc les victimes. Paralysé pour remettre aux mains de l'ennemi. Ah, c'est ce monde. Frère, nos yeux doivent être ouverts pour chercher Dieu. Dans le net, il y a beaucoup d'informations. Il y a des débuteurs. Il ne faut pas regarder ces informations. Dès qu'on clique sur un, il y en a beaucoup qui arrivent. En plus, on regarde, il y en a plus. Dès qu'on s'abandonne, on ne sait plus comment on va faire. Nous avons regardé la vérité. Nous devons regarder Dieu. Nous devons regarder ce qui était bon pour notre bonne santé. Nous devons regarder ces faux amis qui nous font paralyser. Si nous faisons ces choses qui nous paralysent, donc confirmer que ces amis sont comme amis. Alors, finalement, nous sommes remis en main d'ennemis pour nous détruire. L'ennemi est vraiment terrible. Il va avoir de main faible contre nous. Verset 17.
L'Éternel a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a accompli sa parole, ce qu'il avait depuis longtemps ordonné. Il a démoli sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes adversaires. Verset 17 à 19, il demande à Jérusalem de se lever pour crier. Le cœur de vaincu crie vers le Seigneur, muraille de la fille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un torrent, ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait pas de repos. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit. Au début de tes insomnies, déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie et tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Donc, très élevé, nous devons crier vers le Seigneur. Nous allons arriver donc à la deuxième partie, versets 20 à 22, dans les ténèbres. Donc nous devons implorer Dieu pour demander la compassion de Dieu. Vois l'Éternel. Au verset 20, vois l'Éternel, regarde qui tu as traité de cette manière. L'Éternel, regardez attentivement. Donc, ça veut dire regarder, donc, minutieusement. Premier, c'est juste voir. Oui, voir l'Éternel, regarde. Regarde qui t'a traité de cette manière. Fallait-il que les femmes dévorent celles qu'elles ont mises au monde, les enfants dont elles ont pris soin avec tendresse? Fallait-il que prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Ici, il y a donc trois questions pour demander à Dieu. Sa manière de ce n'est pas de, donc confesser, ce n'est pas de repentir. Ici, donc, il dit simplement que Dieu regardez attention, ne rate rien. Premièrement, regarde qui tu as traité de cette manière. Nous sommes Israël, nous sommes ton peuple, nous sommes donc la sorte de choisir. Tu as donc été choisi dans ce monde, choisi dans ce monde. Ce que nous entendons aujourd'hui. Avec qui as-tu été aussi sévère de cette manière de le traiter? Par rapport aux nations, tu n'as pas passé. Pourquoi, par ton peuple choisi, tu as fait ainsi? Si tu veux être envers nous, ne le choisis pas. Pourquoi tu nous as choisi? Tu nous as choisi, c'est ainsi que tu es venu tuer. Tu n'as pas fait ça par rapport aux nations. Pourquoi tu as fait ça par rapport à nous? Ton choix, qu'est-ce que c'est comme choix? Donc, c'est dans la colère qu'on crie. Dieu, regarde. Regarde ce que tu as fait. Tu n'as même pas pensé pour la nation, tu as fait ça pour envers nous. Pourquoi tu nous as choisis? Il ne faut pas nous choisir. Pourquoi tu as fait, vers qui as-tu fait tout ceci? C'est vraiment très pénible. C'est dans la tristesse. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans la rue. Les jeunes filles et les hommes sont tombés dans le coup d'épée. Nous sommes donc tes enfants. Tu es donc
Donc la mère, nous sommes tes enfants. Comment peux-tu donc tuer tes enfants? Et comment il y a des femmes qui veulent tuer donc ses enfants? Dieu, pourquoi tu veux nous tuer? Si c'est ainsi, ne sois pas notre mère. Pourquoi tu veux nous enfanter et nous tuer? Donc c'est vraiment vraiment la colère. Ah, regarde, Dieu, pourquoi tu as fait ainsi? Dieu, ne tue pas l'amour. Pourquoi tu nous as tués? Ainsi tu nous as tués. Qu'est-ce que c'est? Par rapport à ton amour, les hommes ne vont pas tuer ses enfants. Tu es Dieu, comment pourquoi tu tues les hommes? Dieu, tu n'as même pas donc, la nature humaine. Donc vraiment très en colère. En fait, Dieu sait que nous sommes en colère. Dieu est au courant de notre pénibilité. Troisième question. Fallait-il que prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire? Les prêtres et les prophètes, ce sont les serviteurs que tu as choisis. Ce sont tes prêtres et serviteurs. Tu as choisi et puis encore choisi. Et pourquoi les massacrer? En plus, tu les massacrer dans ton sanctuaire, là où tu es ensemble. C'est ta demeure. C'est ta demeure éternelle. Pourquoi tu es dans ta demeure glorieuse? Tu as ton massacré tes serviteurs. Tes serviteurs que tu as choisis. Ceux qui se servaient. Tu vas perdre donc sous ta protection pour que ce débat est pris. Tu ne les as pas seulement protégés, tu les as tous tués. Où est ta sainteté? Où est ta nature? Est-ce que tu es encore Dieu? Dieu, comment es-tu comme Dieu? Pourquoi fais-tu ainsi? Donc le prêtre, les prophètes, donc ils sont en train de pleurer. Il n'y a pas de réponse. Verset 21-22, c'est l'auteur qui dit, l'auteur qui est la station de Jérusalem. Les enfants liés sont couchés par terre dans la rue. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont tombés sous le coup d'épée. Tu les as tués le jour de ta colère. Tu les as massacrés sans pitié. Tu convoques comme pour un jour de fête ceux qui me terrorisent de tous côtés. Le jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni escapé, ni survivant. Ce dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevé, mon ennemi les a exterminés. Donc, mes jeunes enfants, sont tombés sous les coups d'épée. Tu les as tous tués. L'Éternel, tu es mon ennemi. L'Éternel n'a pas répondu. L'Éternel n'a pas répondu. Donc, sous ces paroles, est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'homme est dans l'air. Toutes ces paroles, aujourd'hui, beaucoup de pénibilité dans les ténèbres.
En fait, apparemment, Dieu n'a pas répondu. Mais en réalité, Dieu dit, je ne veux pas non plus. Je vous ai donc encouragé pendant 1000 ans. Mais comment avez-vous fait? Avez-vous repenti? En fait, qui vous avez tué? Nous venons de terminer le livre des Romains. Nous savons que ce n'est pas Dieu. Nous savons que, bon, que c'est le péché qui nous a tués. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous sommes qui se rencontrent. Où que soyez, vous êtes dans votre ville. Nous devons poser une question. Pourquoi la situation est ainsi? Est-ce que c'est un problème de Dieu? Nous avons que pointer du doigt vers moi-même. C'est mon problème. C'est mon problème de mon nation. C'est le problème de mon peuple, de ma vie. C'est nous qui avons éloigné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a éloignés. Que Dieu nous aide.
Seigneur, tu es notre Père. C'est toi qui nous as enfantés. C'est toi qui nous as sauvés. Et tes yeux tous les jours sont sur les enfants. Tous les jours, tes yeux, tu regardes donc tes enfants. Oui, Seigneur, nous t'appartenons. Oui, Seigneur, nous t'appartenons. Oui, ensemble, asseyons-nous. Si vous voulez vous asseoir par terre, alors asseyons-nous ensemble. Nous avons d'abord médité notre relation avec Dieu. Israël, ce sont ses propres enfants. C'est lui qui est même qui a nourri, qui a fait grandir. C'est lui qui a donc sorti de l'Égypte. C'est celui, ceux qui l'aiment. C'est donc sa chair. C'est ceux qui l'aiment. De même, aujourd'hui, pour chacun de nous, nous sommes tous des personnes qui sont aimées par Dieu. Donc, vers Dieu, nous appartenons à Dieu. Pourquoi sommes-nous dans des situations? Aujourd'hui, pourquoi sommes-nous dans des situations? Notre vie, notre terre. Pourquoi est-il arrivé à un tel point? Ce que Dieu aime. Pourquoi arriver à une telle situation? Ce que Dieu veut sauver. Pourquoi tu deviens aussi un désarroi? Pourquoi tu as été ainsi? Pourquoi tu ne soucies pas tes yeux? Pourquoi tu ne te soucies pas tes yeux? Dieu, pourquoi tu ne veux pas finir? Ensemble, entrons dans cette lamentation. Dites de l'amour à Dieu. Oui, dites à ces blessures de l'amour. Dites à Dieu. Ce que tu ne comprends pas de l'amour, dis-le à Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux, oui Seigneur, ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir le mieux,
tous nos péchés. Pour que nous puissions voir plein de péchés qui sont en nous. C'est toi qui ne peux plus supporter. C'est toi qui ne peux plus en supporter. Oui, Seigneur. Tout ce qui est le défaut. Ouais, c'est toi qui est le connaître. Ce péché qui nous éloigne. Retourner vers ce monde. Retourner vers l'Égypte. Retourner vers le monde. Il est retourné le faire la défaite. Oui, Dieu qui nous a créés. Le Père qui nous a créés. Qui nous a aimés. C'est moi qui t'ai éloigné. C'est moi qui t'ai offensé. Seigneur, tu nous as aimés. Et tu nous as demandé de faire sous tes ailes. Et nous avons fait notre péché. 我们总是坚持在我们自己的世界里面。 我们左手右手所做的尽都是罪恶。 C'est à cause de nos péchés que tu es en colère. Tu ne serais pas ainsi. Oui. Prions pour nous. Pardonnez. Nous ne voulons pas faire de Dieu qui nous aime pour devenir notre ennemi. C'est le Dieu qui nous aime.
pour devenir un, notre ennemi. C'est à nous, c'est notre faute, c'est nos péchés. Que Dieu ne protège plus, que Dieu ne parle plus. Il ne donne plus de révélation. Oui, entre tout le personnel, les serviteurs de Dieu, ensemble, nous pleurons et nous disons non, 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 pas. Nous voulons entendre ce que tu as dit. Oui, Seigneur, nous voulons entendre ta volonté. Oui, Seigneur, nous voulons entendre ta volonté. Nous voulons voir tes révélations. Oui, Seigneur. Nous voyons les informations. Nous savons où nous avons offensé. Là où tu es, les gens, notre Seigneur. C'est nous qui t'avons. C'est nos péchés. Que ta terre soit ton cœur, soit ma malédiction. C'est nos péchés. Oui, Seigneur, nous avons péché tout à fait. Nous avons appelé à tous nos amis. Tu ne veux pas que nous fassions dans le péché. Nous prions de regarder tes serviteurs. Tes serviteurs.
Seigneur, que tu aimes. Nous crions à toi, Seigneur. Nous prions ta grâce. Nous soucions. Notre Dieu, nous prions ta grâce. Regardez ton église, ton propre église. Et personne ne peut être. Écoute notre oui, écoute-nous. Oui, nous implorons notre écoute. Seigneur. Oui, Seigneur, écoute. Nous te prions. Nous enlever de ta colère. Et compassion. Et ton église. Ton église pleure de mon cœur. Et nous prions. Et nous prions. Père Céleste. Nous te prions, Aujourd'hui, la COVID est encore plus rapidement. Dieu, c'est ce monde, c'est toi qui as créé. Nous n'arrêtons pas de déclarer. Dieu est ici. Tu es le roi. C'est toi qui as le pouvoir. On peut regarder ce monde ainsi qu'il développe ainsi. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas.
devant ta sœur Jérémie. Nous voyons que ta réponse est ton adoration. Est aussi mon l'invocation de l'Éternel. Seigneur, c'est ainsi. Est-ce que tu vas faire ainsi? Aujourd'hui, nous devons, comme l'auteur de l'invocation de Jérémie, demander à Dieu, est-ce que tu vas faire ainsi seulement? Tu vas absolument faire ainsi. Tu vas faire jusqu'à tel point. Dieu, où est ta nature divine? Où est ta nature humaine? Où est ton cœur, ta compassion? Où est ton choix conscient? Et la signification de ton choix? Sa sainteté après la signification pour te servir, quel est l'avantage? C'est l'un d'autre que le... Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi? Beaucoup de choses ne font pas comprendre. Nous sommes ici, nous devons te lever la main vers toi. Nous nous rendons. Nous sommes dans la pénalité. Nous pas y penser. Parlons-nous pareil. Tu vois ta situation. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prions de arrêter la culpabilité. Arrêter ton colère. Arrêter la compagnie. Donner la paix. Seigneur, nous pouvons rien faire. Tant à l'heure, pour nous aider. Guéris toutes les blessures de ce monde. Guéris les blessures de notre vie. Pour que les vêtements et les gens qui s'attendent à toi, que Dieu nous aide à capter. Tu es toujours notre Dieu. Malgré que nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Mais nous, nous sommes en train de nous faire. Pour que nous soyons dans ce monde de ténèbres, puis marcher avec toi. Et seulement les frères sur le monde de ces gens, pour nous aider, pour marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, nous bénis tous, à demain.